D'abord, je voudrais féliciter toutes les femmes qui vont demain démontrer encore une fois de plus que leur place existe dans la société. Et le sport est un élément important qui aussi vient prouver que la femme a sa place dans la société. Et donc, je voudrais à ce moment-là dire que je suis vraiment très contente et fière de voir nos femmes. Et notamment nos journalistes viennent s'associer à cette fête internationale et démontrer qu'elles ont leur place. Je voudrais aussi, par rapport à la place qu'occupe la femme marocaine, notamment la sportive, sur la scène nationale et internationale, montrer ma fierté d'avoir vécu des moments exceptionnels lors des Jeux olympiques à Rio, qui ont été organisés le mois d'août 2016, j'ai pu apprécier la présence de la femme marocaine à ces jeux-là. Elles étaient nombreuses, peut-être pas comme je le souhaite, mais elles étaient là. Elles ont représenté le Maroc en athlétisme, en natation, en canoë-kayak, au taekwondo, au judo, dans de nombreux sports. Et quand je compare la scène sportive il y a quelques années, notamment lors de mon époque, en 1984, j'étais la seule femme marocaine à représenter le Maroc. Cela m'a profondément blessée et m'avait marquée à tout jamais. Et d'ailleurs, c'est cette cause qui m'a un petit peu éloignée, si j'ose dire, de la scène sportive pour essayer de découvrir ce monde tellement masculin. Essayer de comprendre pourquoi il y avait cette absence profonde de l'élément féminin dans le sport au niveau national marocain. Les choses ont depuis changé, de manière, je dirais, pas comme je le souhaite encore une fois. Ça a légèrement changé. J'aimerais voir la femme un peu plus présente au niveau de la gestion de la chose sportive. Aujourd'hui, très peu de femmes président les destinées de fédération. Sur les 28 sports olympiques, il y a une seule femme qui préside les destinées de la Fédération royale marocaine de volley-ball, en la personne de Bouchra Hajjij. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une présence beaucoup plus forte au niveau des bureaux exécutifs et fédéraux de certaines fédérations pour qu'il y ait une parité telle que souhaitée par notre Constitution, qui interpelle à ce qu'il y ait une équité, une parité à tous les niveaux. Et il faudrait que le sport puisse suivre cette évolution qui se fait aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau mondial. Quand il s'agit également de formation, il faudrait que cette équité puisse également exister, que la représentativité des femmes puisse être interpellée par nos dirigeants et donner sa part de représentativité au niveau des bureaux fédéraux, au niveau des commissions, au niveau des comités, au niveau des groupes de travail, au niveau des groupes de réflexion, à tous les niveaux. Parce que la femme est compétente, elle est capable, elle est intelligente. Et si elle a prouvé qu'elle a pu acquérir une certaine compétence et expérience en tant que sportive, cette expérience peut être, c'est-à-dire une fois sa carrière sportive terminée, elle peut la faire passer au niveau de la gestion de la chose sportive au niveau national, continental et international. Nawal Moutaouki a fait la preuve de ceci en tant qu'athlète, jeune athlète. Par la suite, elle s'est formée sur le tas pour acquérir une expérience qui aujourd'hui l'a amenée à devenir membre de plusieurs instances aussi bien arabes, continentales qu'internationales, au plus haut niveau ou au plus haut sommet de l'olympisme. Et donc je ne vois pas pourquoi les autres femmes ne peuvent pas faire ceci. Aujourd'hui, il faut que la femme ou les femmes soient solidaires entre elles-mêmes, soudées et unies, parce que l'union fait la force pour qu'elles puissent c'est-à-dire mériter la place qui leur revient de facto. Et c'est à la femme elle-même aussi d'aller de l'avant, de se former
de se former de manière continuelle, d'être ambitieuse et de ne pas, c'est-à-dire de ne pas se sentir gênée par rapport aux échecs, parce que moi je pars du principe qu'un succès n'est jamais définitif et qu'un échec n'est jamais fatal. Et que dans la vie, seul compte le courage. Après avoir quand même évolué dans ce monde que je connais beaucoup plus que quiconque, parce que d'abord je suis femme, j'étais athlète et je suis dirigeante. Donc ça n'a pas été chose facile pour moi de militer dans un monde, je dirais, 1000% masculin. C'était pas facile. Et ce n'est pas toujours facile. Ce qui manque à la femme, d'après tout ce que j'ai pu apprécier depuis maintenant 3 décennies, c'est que par moment la femme manque de, je dirais, de confiance. Parfois elle manque de, il y a quand même une forte timidité de la part de certaines femmes. Une fois leur carrière sportive terminée, elles préfèrent s'occuper de leur foyer familial, ou plutôt de sa vie, de leur vie professionnelle. Elles s'éloignent petit à petit jusqu'à la disparition totale de la scène sportive. Or moi, je leur dis que c'est pas le bon choix. Hein, le Maroc a besoin de ces femmes, tout comme ils avaient besoin d'elle en tant qu'athlète, parce qu'elle était porteuse de drapeaux marocains dans tous les forums mondiaux, tels que Mskaoui, Fatiha Belmghar, Zoubida Al-Ayouni, telle que Marhouma Fatima Ouam, et la liste est longue de toutes ces femmes qui ont fait de moi ce que je suis devenue, parce que je les ai trouvées sur la scène. Et donc, on a tous eu une responsabilité pour avancer, aller de l'avant. Aujourd'hui, au niveau des instances internationales, il y a une prise de conscience générale par toutes les instances sportives. Parce que ce problème que je décris aujourd'hui n'est pas spécifique au Maroc. C'est un problème arabe, c'est un problème africain, c'est un problème mondial. Quand j'expose mon expérience à l'international, je vois des femmes de Nouvelle-Zélande qui se voient, c'est-à-dire comme si elles ont vécu les mêmes problèmes. Je vois également certaines femmes européennes, certaines femmes d'Asie, de l'Amérique latine. Elles vivent toutes des problèmes similaires. Et donc c'est à la femme elle-même de se prendre, prendre en considération tous les points faibles pour les transformer en points forts. Et elle ne peut devenir femme forte qu'avec de la formation et le coaching. Et certaines fédérations internationales ont compris ceci. Et aujourd'hui, il y a une responsabilité partagée de la part de tous les dirigeants sportifs pour que dorénavant, un quota ou un pourcentage important puisse être donné à la femme, à tous ses cours de formation, à sa présence en tant que dirigeante, à sa présence en tant que médecin ou de femme journaliste, à tous les niveaux. Si vous avez remarqué, lors des Jeux Olympiques, moi je dirais, parce qu'on n'a pas encore toutes les statistiques, mais tout récemment aux Jeux de Londres, il y a eu 45% de représentativité féminine. Si on les compare aux Jeux auxquels j'ai participé en 1984, il y a eu seulement 23% de représentativité féminine. Je parle de manière générale. Et par rapport aux Jeux de Rio, c'est toutes les 206 fédérations, ou plutôt pays, les 206 pays, avaient l'ensemble de ces pays avaient des femmes. Au moins une femme pour participer aux Jeux. Mieux que ça, les 28 fédérations internationales qui viennent concourir lors des Jeux Olympiques, il est devenu plus qu'important d'avoir un sport où il y ait l'élément masculin et l'élément féminin. Pour la première fois, pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, les derniers sports qui ont inclus les femmes, c'était la boxe. Au fur et à mesure, l'ensemble des fédérations aujourd'hui
ont la femme qui participe au jeu et son homologue masculin. Chose qui était impensable il y a quelques années. Et je reviens encore une fois en 1984, où mon épreuve, qui était le 400 mètres haies, c'était une épreuve fraîchement inscrite au programme olympique. Le 400 mètres haies, dans la tête des dirigeants, était une épreuve qui ne devait être courue que par les hommes. Et ce n'est qu'en 1984 où les dirigeants ont compris que ça pouvait être également couru par les femmes. Et par la suite, on a inclus la perche, on a inclus le 3000 mètres steeple, et on a inclus le marteau, on a inclus tellement, et puis le marathon, tellement d'épreuves qui étaient considérées, je dirais, dangereuses pour la femme, ou inappropriées pour la femme, telles que décrites par notre fondateur, Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques et du mouvement olympique, qui lors d'un congrès avait dit « La place de la femme dans le sport est inesthétique, inappropriée et inacceptable. » Toutes les fédérations, aujourd'hui, il y a les hommes et la femme, les hommes et les femmes qui viennent concourir. Il y a également dans les instances dirigeantes. On avait instauré comme système à ce qu'il y ait une représentativité féminine de 10% en 2000 lors d'un congrès sur la femme et le sport organisé par le Comité international olympique. Et à l'époque, on avait décidé, plutôt proposé à certaines fédérations, à certains comités nationaux olympiques avec qui nous travaillons, avec tous les partenaires également, qu'il y ait un pourcentage de 10%, lequel a augmenté à 15%, à 20%. Aujourd'hui, c'est un peu difficile d'imposer ce quota libre aux fédérations d'encourager les femmes à venir vers elles. C'est que ces femmes puissent non seulement venir dans le monde du sport parce que ça a été souhaité par les instances internationales, mais par mérite. Par mérite. Et qu'elles-mêmes le souhaitent et qu'elles soient formées comme il le faut. Il y a également des bourses qui, dans le passé, étaient des bourses données à certaines fédérations nationales ou à certains comités nationaux qui travaillent avec le Comité international olympique, lesquelles bourses étaient automatiquement, je dirais, données à l'élément masculin. Aujourd'hui, ces bourses doivent être partagées de manière équitable. C'est-à-dire, quand il y a une formation, il faut impérativement, dans la formation, qu'il y ait tant de femmes et tant d'hommes pour pouvoir mener le cours. La même chose au niveau des bourses pour les athlètes qui doivent représenter leur pays dans des forums mondiaux. On a souvent mené des actions un peu à travers le Maroc, des actions qui ont touché également l'Afrique et le monde arabe. Des actions essentiellement ciblent la jeunesse, dans laquelle l'élément féminin a toujours été présent dans toutes mes actions, aussi bien dans les grandes villes que dans le monde rural. Donc on a mené des formations continues en ce qui concerne, je dirais, la politique sportive au niveau national et international. Comment arriver à devenir gestionnaire sportive, comment gérer un projet, comment gérer un club. Des cours sur le marketing, le management du sport. Donc la porte est toujours ouverte de mon association. Ma porte est ouverte à tous les niveaux, pour les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Je considère que, comme j'ai dit au départ, j'ai acquis une expérience et il m'est impératif de la partager. Et donc j'ai toujours tendu la main à la jeunesse montante, parce que rien ne vient de manière miraculeuse. Il n'y a que le travail, et le travail et le travail, qui peut vous rendre forte. Et donc, il était de mon devoir de partager tout ceci, toute cette expérience, toute cette richesse, avec le mouvement associatif, sportif, aussi bien casablancais, national et international. Et donc, pas mal d'actions ont été menées, des actions extraordinaires, exceptionnelles, où on a pu parrainer pas mal de jeunes, notamment des jeunes femmes du monde rural, qui sont parties avec nous représenter notre association ou le Maroc dans certains
forums mondiaux, aussi bien des conférences régionales sur le management du sport, la gestion de la chose sportive, ou représenter sur le terrain leur fédération ou leur club ou leur pays. Le sport, c'est, je dirais, vous rend plus forte, plus responsable, vous rend, je dirais, quelqu'un qui a une responsabilité envers la société civile, la société marocaine, envers la femme. Et c'est quelque chose que j'ai compris tout de suite quand j'ai gagné ma médaille d'or à l'âge de 24 ans. Je dirais, j'ai gagné avant 24 ans, mais j'ai arrêté de courir vers l'âge de 24 ans. Et j'ai dit, il fallait quand même que je fasse quelque chose pour mon pays, quelque chose pour la femme. Et c'est là où j'ai été tapée à toutes les portes pour essayer de comprendre le rôle de la femme dans la gestion du sport. Et c'est en se formant que j'ai pu petit à petit acquérir une expérience jusqu'au jour où je suis devenue membre du Comité international olympique et dans toutes ces instances internationales où j'ai essayé de me trouver une place dans ce monde tellement masculin, dans ce monde tellement macho, où la femme a une toute petite place, mais c'est à elle de pousser la porte grande ouverte pour qu'elle prenne la place qui lui revient. D'abord, c'était une fierté d'appartenir à ce monde olympique, à cette instance exceptionnelle, extraordinaire. Ça m'a fait un grand honneur de pouvoir continuer à militer autrement, de faire partie de cette famille qui, à mon sens, est exceptionnelle, composée de différentes fédérations internationales, de membres venant du terrain, qui était mon cas, de personnes venant du monde des affaires, du business. Et donc c'est ce mélange auquel j'ai eu affaire de manière constante et permanente qui a fait de moi ce que je suis devenue. J'ai quitté le bureau exécutif après un mandat de 4 ans, renouvelable 4 ans, donc ça fait quand même depuis 2008 à 2016. Et donc j'ai quitté également la présidence de la commission de coordination des Jeux Olympiques de Rio, qui a duré quand même 7 années, durant lesquelles j'ai travaillé de manière continue, avec une présence importante aussi bien à Lausanne qu'à Rio. Maintenant, je me consacre à mon rôle de députée au niveau du Parlement marocain, et également une présence continue et permanente sur la scène sportive nationale à travers mon association marocaine Sport et Développement.